Méline, une victoire 3-0, c'était vraiment clair. C'était tellement facile jouer contre Phoenix. On peut pas dire que c'était facile parce qu'il y a eu quand même au troisième set un moment où c'était quand même serré, mais c'est toujours difficile des matchs comme ça de rester concentré tout le long et puis de garder le niveau. Je pense qu'on n'était pas du tout à notre niveau là ce soir. Et puis, bon, tant mieux qu'on ait gagné 3-0, qu'on est en finale demain, mais c'est quand même dur. Comment c'est aussi pour vous? Vous êtes un peu le favori pour ce tournoi. On dit le NUC doit gagner aussi ici. On sent un peu la pression ou pas? Ben, on peut dire qu'on on sent un peu une pression parce qu'on est à la maison. Bon, on sait qu'on a le soutien du public et ça nous aide beaucoup. Et on n'a jamais joué contre du Dingen. Je pense à une bonne équipe, donc ça va être plus difficile que là, le match d'aujourd'hui. Je pense que ça va être quand même serré. Et maintenant, encore une question, parce que vous avez gagné ici mercredi le championnat suisse, la première fois pour le NUC. Comment c'est refocaliser maintenant aussi au ce match ici? C'est difficile après gagner un titre. Ben c'est ça, on a gagné le championnat suisse et puis on a pu faire la fête un petit moment, mais pas trop parce qu'on devait se refocaliser là pour le match. On a eu encore hier l'entraînement, du coup on peut fêter, mais on savait qu'on avait encore le tournoi aujourd'hui, enfin ce week-end, et puis ouais. C'est quand même difficile physiquement aussi de tenir, ça fait déjà 6 mois qu'on s'entraîne, du coup on sent la fin là. Tu as de nouveau une chance de gagner le championnat, comment c'est pour toi? Bah, c'est une année extraordinaire, enfin, incroyable on peut dire ça, parce qu'on a eu triplé avec le NUC, donc super coupe suisse et championnat. Avec l'équipe suisse on a aussi été qualifié pour les championnats d'Europe, c'était historique. Et on attend aussi qu'on gagne ici au Final Four, du coup je pense que si on gagne demain j'aurais réussi mon année, mais je ne pouvais pas faire mieux. Et maintenant, la dernière question. On sait que Neuchâtel est fou pour le volley. Qu'est-ce que tu crois demain? Ça va être plat ici? Ah, c'est clair, je pense. Aujourd'hui, il y avait un peu moins de monde parce qu'il y avait le match de Xamax, mais demain, je pense que ce sera plein. Et surtout, il fait pas si beau dehors. Du coup, les gens vont venir voir le volley. Et puis, il y a 3 équipes d'Inuk, du coup, ils ont plutôt intérêt de venir nous soutenir. Ok, merci beaucoup et bonne chance pour la finale demain. Merci beaucoup.